C'est toujours un pèlerinage, un hommage que je rends à toutes les victimes de cette grande guerre qui sont venues de tous les horizons, qui sont venues de toute l'Europe, qui sont venues du monde entier et qui ont combattu sur ces terres qui aujourd'hui sont devenues des terres sacrées. Le trail des poilus, ça a quand même un caractère bien particulier et ça donne un petit quelque chose en plus par rapport aux autres trails. Participer à cette édition qui est celle du Sancerre, c'est forcément un peu émouvant. En tout cas, on sait pourquoi on le fait. Et puis les moments où ce sera un peu dur, on pensera à d'autres pour qui ça l'était nettement plus. Et je pense qu'on repartira en se disant qu'on ne peut pas arrêter. On va passer dans des endroits vraiment stratégiques, historiques. C'est émotionnel, quoi. Pour moi, ça va être beaucoup d'émotions de faire cette course. On est comme si on avait déjà couru, mais pas encore. Il y a les jambes qui piquent un peu. Et je pense que c'est parce qu'on est impatient d'y aller. 3, 2, 1, partez! C'est dur, hein, mais bon, c'est bien, c'est beau trail. Et le parcours, il était original, il était vraiment inspiré ce qu'il a fait. C'est super dur, mais je suis content d'être là. Que la boue, que la boue. Il y a encore de la boue. Très physique, ouais, entraînement, mais pas encore assez costaud pour ça. D'accord. Un bel hommage. Je cours pour mon arrière-grand-père. Je suis Clément, l'organisateur du trail des poilus, avec toute mon équipe depuis 2006. Je voulais proposer le site de Notre-Dame-de-Lorette, un hommage aux poilus et en même temps donner une image du Nord-Pas-de-Calais qui est différente de ce qu'on y voit généralement. C'est un parcours qui est homogène, je réfléchis à très peu de bitume, on a 5-10% de bitume. Le contact terrain avec les privés fait que j'ai beaucoup de pâture, beaucoup de bois, le travail avec l'ONF, les conventions avec les chasseurs. On termine sur Notre-Dame-de-Lorette, donc 17 km en succession, une dent de loup pour terminer sur l'arrivée. C'est de la bonne, Un mot pour résumer le parcours, c'est la boue, je pense. La galère. Le plaisir sportif. Plaisir. Merveilleux. Convivialité. Courage, bravo et félicitations à tous ceux qui sont à l'origine de ce bel événement et de ce bel hommage.